right. I'm in. Hello tout le monde, c'est Asso! Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode sur Lumière Mourante. Bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on va déjà aller à la tour parce que je vois une quête d'ici, hein, comme ça. Hein. Et il y a également quelques défis qui traînent de protection. On va d'abord se faire ça en prums, vite fait, bien fait. Et après, on enchaînera avec des gens qui peuvent visiblement nous emmener au secteur 0. Soit. Ah, Steam! Peu importe, allons-y, fonçons les amis, fonçons. Bien bonjour, ça va? Non, j'ai pas trop le temps, non vraiment j'ai pas le temps. On va zapper l'arme, on va aller sur... Ouais, la machette, ça paraît bien. Allons-y, et on va y aller au grappin parce que ça va plus vite. Lors de l'épisode précédent, souvenez-vous, c'était un énorme bordel avec notre ami, Zéré là. Salut, ça roule? Qui veut? Toi, tu veux? Ouais. Qu'est-ce que vous arriviez? Je croyais pas au miracle. Bah voyons. Vous leur avez donné une bonne leçon. Ah, maintenir V pour le camouflage. Voyons voir. Oh nice. Parapapa, parapapa. Tu me vois, tu me vois pas? Tu me vois, tu me vois pas? Non, tu me vois pas. Arrêtez de manger des termites sur un bâton et rappliquez immédiatement. Hein? C'était assez simple. Qu'est-ce que tu racontes, lui? Tu n'as pas relâché le bouton de communication. Et qui t'a dit que tu pouvais utiliser ma radio? Ok, alors l'effet est assez long quand même. Tu pouvais manger mon sandwich. Qu'est-ce qu'il raconte lui? Tu devais préparer à déjeuner pour nous deux. Débrouille-toi pour déjeuner, intellectuel de bas étage. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce qu'on a une quête en rab du coup? J'ai envie de dire que non. Qu'est-ce que c'est que ça? Oui, c'est l'intendant, on s'en fout. Ah, oh, ah. Retournez voir Tolga et Fatine. Bon bah c'est plus proche. Allons d'abord chez eux. Oui, je change de... le matériel. Ah, adepte! Ça va. Je change d'avis vachement rapidement, vous l'aurez remarqué. Mais oh, c'est pas la première fois, hein. En même temps, vous commencez à avoir l'habitude. Ah, voyons, bien entendu. Hop, ni vu ni connu, je t'embrouille. Excuse-moi, t'es sur le chemin. Tu as perdu la tête, je pense. Ah, on s'en fout, on te tue, du. Qu'est-ce qu'ils ont à nous raconter, ces deux-là? Aïe. Ah oui, les flammes de l'enfer, très bien. Les flammes de l'enfer. Hop. Wouhou. Hello. Reid, une dernière oui chose. Dis-moi. Tu te souviens de cette fille dans le secteur 0? Troy? Ouais. On a discuté quand j'ai rétabli les communications radio. Tu devrais la contacter en arrivant là-bas. Ouais, c'est une bonne idée. Merci, Brecken. A plus. Bisous, Brecken. Voyons voir. Tac, 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 tac. Munition de carabine, c'est full. Munition de fusée. Maintenant, c'est full également. Le pistolet, je ne sais même pas pourquoi je l'utilise encore, puisque, je l'ai jamais utilisé. Ou plus. Bien. Ok, toi, t'es tout bon. Ensuite. Qu'est-ce qu'il me veut, l'autre, exactement, avec sa quête, là? Gardons nos distances. Salut. Heureux de vous revoir, monsieur. Comment il s'appelle? Crane. Comme la boîte vide qui est posée sur son cou. Dites-moi ce qu'il vous faut et je me mettrai en route. Du ruban adhésif. Des câbles. Il nous faut 10 rouleaux de ruban adhésif. Non, il nous faut 10 câbles d'alimentation. J'ai tout ce qu'il faut là, c'est bon. Des câbles. Du ruban. Des câbles. Du ruban. J'ai compris, il vous faut les deux. Exactement. Exactement. Fin de la conversation, au travail. Ouais, bah tiens ton rouleau adhésif, voilà. Et tiens ton putain de câble, c'est bon? 10 rubans adhésifs, 10 câbles. C'est du bon travail, le primate. Ah, vous surpassez largement vos capacités. On dit que pour s'améliorer, il faut jouer avec un adversaire meilleur que soi. C'est clair. Votre contact avec Tolga et moi a nettement augmenté votre intelligence. Il n'y a pas de quoi. Une dernière tâche et nous aurons terminé. Dis toujours. Il y a une base militaire de l'autre côté du pont écroulé. Vous allez prendre une tyrolienne pour l'atteindre. Grâce à l'intelligence que vous nous avez empruntée, vous trouverez un sonar militaire mobile. Rapportez-le-nous. Rapportez-le-nous. En outre, Monsieur Dahl voudra vous voir, alors utilisez du déodorant et essayez de ne pas trop baver. Très bien, au travail. C'est un calvaire de vous regarder. C'est de la mousse qui pousse sur vous? Vous devriez bouger. Le temps passe, mais il ne bouge pas. La loi de la relativité indique que tout est en mouvement. Pourtant, vous ne l'êtes pas. Oh putain, ils sont un peu cons ces gens-là. Bon. Alors. Ouais. On va te le récupérer ton truc. Easy peasy mon pote, tu vas voir. On va commencer par ça, hein, puisque en même temps on est à côté et puis visiblement c'est la dernière mission qu'ils vont nous offrir, ces deux cinglés.
Alors on va s'occuper de ça en prompt. Excusez, pardon. Merci. Et je vois rien du tout avec le soleil dans la gueule, mais c'est tellement beau. Je suis aveugle, je pense. Y'en a un qui a pété ou c'est moi? Je crois qu'il y en a un qui a explosé. Ouais. Bien. Hop. Bien le bonjour. Alors on en est où là? Regarde, y'en a déjà un qui s'est excité là. C'est incroyable. Oh, y'a un peuple, mais c'est fou. Ici c'est flippant, je te jure. Faudrait qu'il y ait un peu plus de monde encore. Non, histoire de. Vraiment. Salut. Activez la voiture piégée. Oh, ça peut être marrant ça. Mais non, non, on n'a pas le temps. On a plein de choses à faire dans cet épisode, les amis. Il faut enchaîner. Je suis navré. On testera la voiture explosive un autre jour, encore une fois. Tellement de bagnoles de flics ici, c'est assez rigolo. Elle est où ta tyrolienne? Ah, tout au bout du bout, quoi. Très bien. Est-ce que ce pont était déjà là? Alors, il faut une tyrolienne. Tyrolienne que je vais trouver là-haut, c'est ça le concept? Tu sais que c'est tous tout seul, je sais pas pourquoi. Non, me dis pas qu'il faut remonter. Oh, seriously? Hmm. Ouais, apparemment il faut remonter. Bon, récupère un QG militaire du pont. Ouais, ok. Ça doit être une des tyroliennes qui est là. Je suppute. Est-ce que je suppute bien? Allez savoir. Elle est... Oh oui, tombe. Oh non, tombe en bas, merde. Oh, t'es pas drôle. Bon, bref. Ne perdons pas trop de temps. S'il faut remonter, ben il faut remonter, hein, j'ai envie de vous dire. Oh putain, ça vous rappelle pas un mauvais souvenir? Moi en tout cas, si. Épisode numéro X, ou qui s'appelle Fou, c'est facile. Voilà, je m'en souviens très bien par contre du nom. Oui, en effet. Bon alors attends, comment on avait fait pour monter déjà? Ouais, on était passé par là, ça je m'en souviens. Ensuite on était passé par où? Par là. Ok. Ensuite on était passé par là. Ça aussi je m'en souviens, là je m'étais pété la gueule parce que bah pas de chance, voilà. Là on avait fait le tour. Parapapa, parapapa. Voilà. Et maintenant. Et maintenant la question elle est là. Par où j'étais passé? Bon, hein. Alors, les grilles qui étaient... Ah oui, il y a des grilles, en effet, oui. Ça explique pourquoi je ne pouvais pas l'utiliser la dernière fois. Je ne sais pas du tout si je suis sur le bon chemin et la bonne idée dans mon concept, là. Mais on va tester. J'étais pas serein, je te le dis clairement. J'étais carrément pas serein dans cette histoire. Mais bon. Ok, là on peut l'utiliser par contre. On y arrive, on y arrive. Hop. Oh, t'es un génie. Du premier coup, mec. Ok, parfait. Et maintenant? Non, mais maintenant c'est carrément pas par là qu'il faut aller. Maintenant c'est carrément par là qu'il faut aller. Damn it, je peux encore. Je dois encore monter? Eh, je sais pas du tout si je suis sur le bon chemin, sur le bon endroit là. Pff, je sais pas. Alors on va y aller quand même. Parfait. Pas chiant la zone, pas chiant. Oui. Hop, parfait. Hop. Nice. Ok. Le parcours. Pas un truc pour moi ça, vous l'aurez remarqué dans Assassin's Creed également, que le parcours c'est pas du tout fait pour moi comme truc. Tu veux bien monter mon cochon? Merci, t'es mignon. Maintenant. Ah, oh, je vois. C'est par là qu'il faut aller. Nice, très bien. Ok, allons-y. J'ai vraiment pas envie de me péter la gueule, si vous savez à quel point. J'ai surtout pas envie de tout me retaper en fait. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je suis sûr que tu vois ce que je veux dire. On peut faire ça? Ouais, on peut. Nice. Ouais, mais ça m'avance pas plus en fait dans cette histoire. Attends. Putain, j'ai tellement peur de tomber, bordel. Ouais, par contre, les amis,
nous avons une très belle vue, hein, comme vous pouvez le voir. Sur votre gauche, vous pouvez apercevoir en ce moment. Ouais, peu importe. Moi ! Allons-y ! Pas de trou, pas de feinte, pas de piège. Ok, nice. C'est bien par là qu'il faut que j'aille. On est d'accord. Non, parce que j'ai pas envie de me faire avoir. Ouais, c'est bien par là. La flèche montre bien vers là. Et maintenant ? Si tu tombes, mec. J'ai eu peur. Mais à un point. Ok, nice. Salut tout le monde. Comment ça va ? Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Merde, je peux pas utiliser mon grapple. Pas grave, on s'en fout, on arrive à 100. Bien le bonjour les filles. Voyons voir qu'est-ce qu'on a. Wow, mais dis donc, il y a du peuple. C'est bien, c'est bien. C'est par où que je dois. Headshot, mec. Dégage, oh là là. Je suis fatigué, laisse-moi tranquille. Pardon, excusez. Ah oui, t'es vrai, t'es plus solide que d'hab, toi. Aïe, 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 ça picote. Un, alors qui veut? Toi, tu veux? Headshot. Boum. Ok. Hein, quoi? C'est pas moi. Dégage. Tu ne sers à rien, toi, tu ne sers à rien. Oui, c'est moi que tu veux? Viens me chercher, viens. Très bien, suivant. Très bien, suivant. J'ai toute la journée, les gars. Amenez-vous, amenez-vous, c'est gratuit, n'hésitez pas. Wouhou. Bye. T'es vivant encore? Sérieusement? Non, t'es mort, on est d'accord. Toi, t'as perdu ta tête. Toi aussi, si tu continues à me saouler. Regarde-le, on dirait un poulet. C'est trop stylé. Alors, on va... activer le camouflage zombinesque. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Câble électrique, très bien. Ensuite, on a du gaz. Il y a des millions de trucs à récupérer. T'as le gars ici, Crane. Ah, déjà sonar. Un sonar? On n'a pas besoin. Qui t'a dit qu'on voulait un sonar? Laisse-moi parler, Fatine. Ils sont cons. Faites-moi signe quand vous en aurez besoin. Bye. Ils sont débiles, ces gens-là. Je me dis, est-ce qu'on s'arrête rapidement... Ah, tiens, salut. Est-ce qu'on s'arrête rapidement looter les caisses de flics? Parce que mine 2, il y en a quand même un bon petit paquet, là. Alors, pour ça, je pense que je vais rapidement... Ouais. Bah ouais. Comme si j'allais me faire chier, franchement. Hein? Pas du tout. Allons, à ceux qui se fait chier, ce serait... Non, 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 y a pas de ça, y a pas de ça. Liquide inflammable, on échange. Ok, voyons voir. Crochetage très difficile. Donc on va s'amuser un petit peu à crocheter, les amis, avant de passer à la suite. Ouais, enfin, je dis ça et... Tu vois ce que je veux dire. Ah, oh. Olé. Lance-roquette, s'il vous plaît. Non, tu veux pas? Pas grave. Inventaire plein. Ok, d'ac. Voyons voir, on peut monter là-dessus? Je suis sûr que tu peux monter là-dessus si tu fais un effort. Ah non, on peut pas. On peut vraiment pas monter là-dessus. Bien dommage. Bon, alors on va passer par l'intérieur, hein, parce que je pense qu'on aura plus de chances de trouver des trucs funky. Bon, ça c'était de la merde par contre. Kit de soins. Ouais, il y a quand même pas mal de choses en fait. Vague de kit de soins. En fait, on aurait pu y aller bien avant déjà dans cette zone, peut-être, pour y looter des choses intéressantes. Mais bon, on peut y aller maintenant. Il y a du purple. Il y a du purple. Voyons voir, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Une petite bourse peut-être, je pense. Ah, ah. Aide. Là. Non. Là. Non. Dépêche-toi, il y a un client qui arrive. Where is the clap? Ouais, ouais, mec, tant que t'arrives, mon pote, j'ai le temps d'ouvrir 15 fois le truc. Hop, hop. Ouais, t'aurais essayé. Oh non, tu m'as touché en fait. J'ai rien dit. Autant pour moi. Salut, mais je suis juste là par contre. Tu feras attention. Hein. Très bien.
Tant que t'arrives, mon pote. C'est pas tout ça, mais. Hop! Mais j'ai. Hop! J'ai. Ah! Mais j'ai des choses à faire, voyez-vous. Yes, nice, Kiki. Voyons voir. Ah ouais. Ouais, ouais, ça me va. Un roi, parfait. On loot des trucs dans ces camions, des fois. C'est juste assez impressionnant. Ah, bonjour, ça va. Excusez-moi, hein, je vous ai pas vu. Amenez-vous, amenez-vous. Allez, les gars, là, on n'a pas trop le temps. Moi, j'ai des choses à faire, là. J'ai des gens qui m'attendent, etc., etc., et tralala. Y a un crasher de Merlan là qui est juste derrière la voiture de flic. Je sais pas si vous l'avez aperçu. Moi en tout cas je l'ai aperçu. Oh allez là, découpage. Allez on s'amène, on s'amène. On se dépêche. L'autre il s'étale sur la caisse. Mais est-ce que tu crois qu'on a le temps de jouer à ça sérieusement? Cette machette. Aux petits oignons mon pote. Complètement con. Pendant ce temps-là. Bah! Je t'ai pas vu tout de suite. Bien. Y'en a un autre là? Ouais, y'en a un autre là. T'es mouru? Ouais, t'as l'air assez mouru, c'est bien. Regarde-moi l'autre. Ouais, il s'éclate par terre. Ouais! Je veux juste vous dire de ne pas jouer les héros la nuit. Ah bon? Entrez ici ou trouvez un abri. Bah, oh, merde. Il reste environ une heure. Ouais, en une heure, j'arriverai à faire tout ce que j'ai besoin de. Tout ce que j'ai besoin de faire, je disais. Ah non! Oh non! Parfait. Allez, un petit plan là encore. Oh ouais. Homme de main, parfait. Fusil militaire. Nice, nice, nice. Bien, retournons dans les. À l'intérieur là. Salut. Qu'est-ce qu'il y a ici? À part des cadavres dans tous les sens. Un truc à loot quand même là ou... ouais, il y a des trucs à loot. Il y a des trucs à loot. Gaz, gaz. Hop, matériel médical. Parfait. Encore du gaz et encore du gaz. Oh la vache, mais il y a... What the freak? Fais péter les kits de soins, fais tout. Qu'est-ce que tu veux toi? Dégage. Attends deux secondes, je répare. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Oh, abattre. Solide mon pote. Oui c'est pourquoi. Très bien. Il y a du bleu. Dégage. Il y avait du bleu. C'est où? Un kit de soins. Nice Kiki. 80. Eh, 89 kits de soins. Là ça nous fait 92 kits de soins. Ok. Pas de problème. Toi là-bas. Il pense même pas. Shocked. Double. C'est un doublé messieurs dames. Et le flic passe tranquillement à travers la barrière. Ça va? Rien de cassé? Ouais. Pardon excusez hein. Parfait, bien, enchaînons. Y'a un truc bleu encore, non peut-être? Non, non c'était pas bleu, pardon, autant pour moi. Et ici y'a quoi? Y'a que du fric, on s'en tape total. Là y'avait qu'un bus, on est d'accord. On est d'accord. Ensuite, toi, tu dégages, t'es sur mon chemin. Commencer par le crochetage facile. Qui était facile, en effet. Et encore deux petits kits de soins. On en est où de la vidéo? Pas loin de 20 minutes déjà. Bon, très bien, je vais accélérer le mouvement. En même temps je fais qu'accélérer le mouvement depuis le début. J'enchaîne, les amis, j'enchaîne. J'essaie d'aller vite. J'essaye. Ça tournait pas si mal le départ là, non? On n'est pas d'accord? Ah, là. Et puis c'est pas tout ça, mais il va faire un peu nuit. Donc à ce serait bien que tu te mines les fesses. Parce que j'ai pas vraiment envie de passer dans le secteur. Tu vois ce que je veux dire, lequel un peu dégueulasse là. Oh man. Seriously? Come on. Ah non. Yes. Allez, lance-roquette. Oh ouais, bien. Bien, bien, bien. Bijoux volé, machette, on s'en fout. Mais c'est ça de gagner tout de même. Bon. Altitude, prenons de l'altitude. Et là il est tenté de venir l'autre là, il est tenté. Mais non. C'est Ayo au micro. Ouais. Je vous le rappelle encore. Ouais. Passez la nuit dans l'abri le plus proche. Ouais. Bonne nuit. Bisous. Et bonne chance. Merci. Toi aussi. Profites-en bien.
Éclate-toi. On s'en fout complètement de ce qu'il raconte. Inventaire plein. Ouais, 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 parfait. Parfait, parfait. Alors toi, par contre, la caisse de flic qui est là, je pense que je vais mettre une croix dessus, probablement. T'as remarqué, si on a un peu de chance, on peut l'avoir tout de suite, assez rapidement. Allez. Ouais. Ah, non. Merde. Allez, 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 on se dépêche, on se dépêche. Non. C'est bon, là c'est bon. Yes. Vite, ouvre la porte. Ouais, ça valait le coup. Par contre là faut se tirer. Il y a tout qui pète. Je fais comment moi pour sortir de là? Hein? Quelqu'un a prévu l'escape? Est-ce que quelqu'un a prévu l'escape ou pas? Apparemment pas hein. Est-ce que si je saute dans l'eau je meurs ou pas? J'ai trouvé l'escape. Sur la carte je l'ai vu, j'ai vu mon escape sur la carte. Y'a un bus là en bas non? C'est quoi ce... Désolé dégage. Eh 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 eh. C'est quoi ce qu'il y a là en bas? Bon les amis je crois que j'ai pas vraiment le choix en fait. Ben allons-y. Ok. Non j'ai pas regardé. Voyons voir. La sortie la plus proche se trouve par là. Attends. Attends, attends, tu déconnes, mec. Ils ont pas besoin de ce foutu sonar là, ces enfoirés? Non, excusez-moi de les insulter, mais il y a un moment où faut pas déconner. Ils ont pas besoin du sonar, ces enflures. Oui, c'est vrai qu'il lui a dit appelle-moi quand. Mais quand même. Bon, bah, c'est l'heure de la nage. Hein. C'est tout droit. Oh là là. Qu'est-ce qu'ils sont cons. Et je suis sûr d'une chose, les amis. Je suis certain d'une chose. Je vais commencer à me barrer. Et là, d'un seul coup, le mec va me dire hey, au fait, t'as pensé à récupérer le sonar de... Ah bah, ramène-le-moi. Et voilà, et je serai déjà sur. Pendant ce temps-là, j'aurais fait 500 000 bornes. Et l'autre, il va. Ouais, en fait, on en a besoin maintenant. Et pas demain. Ouais, enfoiré. Ouais. La prochaine fois, ben, t'as qu'à aller te faire fiche. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Exactement. Et l'autre il pêche, tranquillou, hein. Ça va la vie? Tant mieux pour toi. Moi j'en ai juste un petit peu chié là, tu vois ce que je veux dire? Ou pas du tout? Oh, t'en as rien à cirer, hein, moi je m'en doutais. Night is coming. C'est comme winter is coming, mais là... Voilà. Qu'est-ce qui est arrivé à cet immeuble? Hein? Je sais pas de quoi tu veux parler. Oh là! Ça roule? Je suis sûr que j'ai des trucs pour toi. Ouais, absolument. Alors, on a. Pioche antique, bla 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 bla. C'est tout? Ouais, avec les 5 bijoux et la bourse. Ce qui nous fait une valeur de 3300 dollars. Maléfique. Fantastique. Excellent. Maintenant, on peut retourner à nos affaires et à notre business qui était retour à la tour. Allons-y. Et on va y aller de nuit parce qu'on a, on a peur de rien. Absolument. Ouais. Alors, c'est parti. Au grappin. Histoire de gagner un peu de temps. De toute façon, je sais que je peux plus monter sur les pierres, j'ai bien compris. Certaines pierres il veut, certaines pierres il veut pas. Dans le doute, on monte pas sur les pierres. Terminé. Alors. Comment ça se présente là, notre radar. Pour l'instant, la zone est free. J'ai l'œil. Oh merde. Oh merde. Wouhou. Esquive. Non, j'ai pas envie de me friter contre un gros sac là, si vous voyez ce que je veux dire. Bah, pas que ça à foutre. Excuse-moi, mais. Non, je ne peux laisser personne en vie, je suis navré. Parce que j'ai pas envie de mourir. Eh merde. Parapapa, parapapa. On y est bientôt. Yeah. Pardon, excusez. Il y a un gros sac qui est juste là qui va me voir probablement dans quelques secondes et qui va faire et qui va me courser comme une voilà. Wow,
Bon bah c'était facile, c'était facile. Ok lac, nous y sommes. C'est par où l'entrée? C'est par là. Easy peasy man. Salut ma poule. Ça roule? Non, j'ai pris le boubou. Attends, il y a un truc que je vais te rendre directement, regarde. Tiens, t'en prends ce que tu veux. Ensuite. Mon beau-frère a perdu un pouce un jour. Ça va? Alors, qu'est-ce qu'on a? Thanks to Rice and his pack of boots first, blablabla, bandage et médicaments. À l'attention de tous, pardon. Grâce à Rice et son groupe de brutes sans pitié, on sera bientôt à court de bandages et dentalgiques. Si vous en avez, si vous savez où en procurer, allez voir Toygar, je vous en prie. N'allez pas imaginer que ça ne vous concerne pas parce que vous n'êtes pas blessé, ça peut changer très vite par ici. Voilà, pardon, excusez. Et si c'est votre jambe qui prend une balle, vous serez content que j'ai de quoi vous soigner. Assigné par Toygar. Ok, accepté. Et si vous pouvez arrêter de gueuler, ça serait bien. Cherchez des pansements et des médicaments pour Toygar. Et ça se trouve où concrètement ce genre de truc? 3 seringues, 3 antalgiques. Donnez du gaz, 3. Bien. Qu'est-ce qui est arrivé à cet immeuble? 3 seringues et 3 antalgiques. Alors je sais qu'il y a un hôpital quelque part. Enfin une sorte de. Où est-ce que c'est? C'était là? Je ne sais plus. Déjà, on va y aller de jour, histoire que ce soit moins la merde et qu'on puisse goûter peinard. Je vais te faire un bon prix. Oui, on est au courant. On est au courant. Tu essayes toujours de nous arnaquer, mon garçon. Je sais, je te connais à force. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la protection également qu'il faudra faire. Bon, on va faire quelques protections rapidement. Celle qui est juste à proximité. Les deux, pardon, qui sont à proximité plutôt. Arrêtez de gueuler, merde, on s'entend plus parler, c'est pas possible ça. Fou quand même. Impressionnant. Salut. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Attends deux secondes, j'arrive. Ouais, eh ben tu vas attendre quand même. Bien. Ça va ou quoi? Oh bon sang. T'inquiète. Vous n'êtes pas infecté, n'est-ce pas? Non, bah non, pas vraiment, non. Enfin si, accessoirement, je suis infecté. Mais je le vis bien, je le vis bien moi. Bon, on en était où nous? D'accord, Farouk. Continuons. Vous ne le regretterez pas. Les temps sont durs pour les ventes. C'est la mort tout autour de nous, avec toutes ces histoires de mort et tout. Ouais. Vous persévérez. Je suis d'accord avec toi. Et conclure, voilà. Est-ce que t'as comme... Ouais. Bon allez, c'est par où qu'on va? Bah allez, vamos. I'm following, dude. Let's go for it. Oh, regarde-le qui court là déjà. Il est motivé pour venir nous faire chier. Ah bah pas de chance mec, fallait pas sortir par là hein. Distribution. Bien, y'en a d'autres? Non parce que j'étais chaud là hein. Mec qui va tout droit. C'est génial, ce jeu est génial. Franchement ce jeu est super. C'est vraiment magnifique. Accessoirement on a une réparation gratuite sur l'arme lorsque j'ai réparé tout à l'heure. Plutôt pas mal. Aérosol, ouais. Alors il faudrait ouvrir les yeux également pour voir si on n'a pas un hosto dans le coin ou un truc qui pourrait ressembler éventuellement. Et l'autre il est en train de tracer comme un ouf. Mec tu vas m'attendre ou tu fais quoi là? Ouais regarde. Eh. On y va? Attends, il y en avait encore un. T'es parti où là? Jaro? Mec mais t'es super rapide. Une livraison de Zerp Chimie. Ha! Headshot. Peut-être qu'ils sont partis tuer quelqu'un. Je le laisse devant la porte. Vous recevrez la... Non. Qu'est-ce que tu fais passer en dessous? Ok, au suivant. Ouais, très bien, allons-y. Eh, dis-moi, est-ce que t'as pas un hosto dans le coin par hasard? Hein? Est-ce que tu sais... Ok, c'est gratos. Est-ce que tu sais... T'es où? Oh, seriously? T'es descendu? Ouais, t'es descendu. Attends-moi, merde! C'est possible, ça. Tiens. Parfait. Je crois qu'il est toujours vivant. Ouais, il est toujours vivant. Mais elle a pris une sacrée mandale, quand même. Ensuite, c'est par où qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait, ici? On va encore déposer des trucs? Putain, j'ai toujours pas regardé s'il y avait un hosto. Non, mais je pense savoir où je peux trouver ça, éventuellement. Mais... C'est bon, c'est réglé. Non, attends, pardon. Maintenant, c'est réglé. Je sais pas.
mec il court, il est motivé, il est au taquet et tout et tout et tout. Moi aussi je suis au taquet. On peut y aller mec. Livraison de Zerb Chimit. Sans doute parti chercher de l'antisine. Bon courage. Ouais enfin ils t'ont tous foutu un faux plan quoi, en fait c'est ça que tu veux pas nous dire quoi. La commande est renouvelée automatiquement. Vous recevrez deux autres flacons dans un mois. Profitez d'une vie sans tâche. Parfois, ils se mettent deux flacons et t'arrives à faire passer ce flacon dans cette d'habitude, ouverture. J'aime bien les gens. Vous êtes dans l'humanitaire. Ouais, on peut dire ça, ouais. Comment t'as réussi à faire passer ton flacon dans la porte là? Parce que j'ai pas. J'étais quand même balèze, mon garçon, mine de rien. Laisse-le-moi. Ah, on peut y aller. Allez, on se dépêche là. J'ai pas que ça à faire. Vraiment. Hôpital. Fresh chicken. Non, pas vraiment, non. C'est pas là qu'on va trouver des seringues. Un hosto. Un genre 2 quoi. Un bâtiment dans lequel on pourrait trouver ça. 3 seringues et 3 antalgiques. Et waouh, pharmacie. On est où? Merci. Non c'est bon, je me demande. Vas-y fonce, on a pas le temps. Faut que je retourne là-dedans moi après. Parfait, une pharmacie, c'est exactement ce qu'il faut mon gars. T'es un génie. Merci de m'avoir montré ça. Bah parfait, j'espère qu'on va pouvoir trouver notre stuff qu'on cherche à l'intérieur. Vraiment. On est passé à côté de la tour en fait là. Ouais absolument. Et ah bah c'est parfait, s'il continue tout droit je vais peut-être pouvoir voir si oui ou non il n'y a pas la pharmacie, la deuxième qui est juste là-bas. Mais on dirait qu'il n'est pas parti dans le bon sens. Laisse mon pote tranquille. Putain c'est pas vrai ça. Ah bah ça y est, il a foutu la merde. C'est bon là? T'as fait ton business? Une livraison de Zerb Chimie. Ouais, ils sont partis faire du poney, c'est ça que tu vas me dire? Ou alors ils ont piscine? Ou enfin, c'est bon là, mec. Allez, l'action là! Dépose-le tout de suite sous la porte, bordel, et on se casse. Oh, incroyable, je te jure. Ça sert à rien ce mec là. Bien. Je sais pas. Oh, je vais la bicyclette! Donne-moi la. Bicyclette. C'est génial, cette arme est juste géniale. Ouais. A plus. Attends, avant de partir. Filme-moi mon fric. Merci monsieur. Oh, plan lance-flamme. Vous êtes employé honoraire de Zerb Chimie. Félicitations. Merci. Voici votre paiement. Bonne chance, mais ne venez pas sur mon territoire. Si je vous prends à braconner mes clients, je vous tirerai dessus. Au revoir. Avec ça? Ah bah mon gars. T'as pas peur, hein. Franchement, t'as vraiment pas peur. Bon, maintenant qu'on a réglé cette histoire, il faut. Il y avait un autre truc de protection avant, j'ai vu. Ah ouais, mais il est super loin. Et il y en avait un autre. Ouais, il a disparu, on s'en fout. Peu importe, allons à la pharmacie dans un premier temps. J'espère qu'on arrivera à trouver ce qu'il nous faut. Sinon, je vais aller jeter un coup d'œil par l'autre. À l'autre truc que je connais. Enfin, ou que je pense. Mais ça devrait le faire. Oh yes, gratuit ça. Ah, ok. Voyons voir, pharmacie. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? J'espère des trucs. Un fridge. Ouais, super. Café et bouffe, magnifique. Je suis super content, mon gars. N'y pense même pas. Si? Voilà. Bon. J'en ai partout, je vois plus rien sur l'écran, c'est la merde. Produits domestiques, mais putain, sérieusement, mec, on s'en fout de tes produits domestiques à la con. Antalgique. What? J'en ai un sur trois? Non, seriously. Ok, antalgique. On aura trouvé deux, trois trucs. Enfin, deux trucs. Pour être précis. Mais dans une pharmacie aussi giant que ça, on trouve que deux trucs là? Oh là là, ça va être long cette histoire, je le sens bien. Ok, salut. Peut-être qu'on peut trouver ça directement. Pardon, excusez. Peut-être qu'on peut trouver ça directement dans les maisons, tout simplement. Éventuellement. Bon, après, je pense que c'est des chances qui sont relativement réduites. Mais on peut probablement trouver ça dans les baraques, dans les trucs à pharmacie, justement. Dans les trucs quand ils tapent dessus, comme ça, là. À mon avis, on peut trouver ça là-dedans. Mais je vais quand même aller jeter un coup d'œil en face, là.
J'ai ma petite idée. Ouais, trop dingue. Bah tu te défends très bien, pourquoi t'aurais besoin de moi? Ça va? Merci. Je t'en prie. J'ai cru que j'allais y rester. Tu plaisantes ou quoi? Tu maîtrisais la situation parfaitement, monsieur. Bon. Poursuivons. Alors, il paraît, et je... À ce que j'ai compris dans la quête principale, on n'aura plus de livraison par parachutage. Ça, c'est bien dommage. Ça me rapportait un max d'XP, cette histoire. Ouais, je savais qu'il y avait une pharmacie ici. Je le savais. Alors, j'étais pas tout à fait au bon endroit, mais je savais qu'il y avait un truc par ici. Fantastique. Ah! Oh! Mais ouais! On peut peut-être trouver ça là-dedans également. Testons. One shot? Ouais, presque. Ah, papa. Nice. Voyons voir. Ok, dans les camions, on trouvera que des kits de soins. Parfait. L'entrée étant sur le toit, on va gagner du temps. Hein. Grappin, franchement, c'est juste génial. Y'en a un qui a pété la porte, je crois, en bas. Bonjour! Alors, voyons voir. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Des clous? Ah oui, c'est vrai. C'est la fameuse pharmacie qui est blindée en stuff. J'avais zappé cette histoire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On trouve de tout. On trouve de tout et de rien. C'est fantastique. Ah oui. Devant on est à ce. Devant on est. Ouvrez les mirettes. Anything else, maybe? Il y a peut-être un truc sur la... Non, il y a rien. Bon, bon, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ah ouais. Là, on peut peut-être trouver quelque chose de bien. Ouais, on va faire tout le tour, hein, puisque ici, c'est vraiment un endroit, sans déconner. Je m'en souviens très bien, parce que j'avais dit la même chose, je crois, la dernière fois que je suis venu. On trouve des trucs partout. C'est parfait. Mais ouais, je pense qu'on trouvera ces seringues et ces entales trucs. Uniquement... Ouais, et même là, on les trouvera pas, en fait. Ouais, c'est pas dans les bâtiments civils, hein, en fait, cette histoire. C'est dans les bâtiments, enfin pas dans les bâtiments, mais dans les trucs justement que tu bourrines là pour l'ouvrir. Y'a quoi là? Ah, c'est en bas. Okay. Ah, ça y est, c'est là-dedans. Là-dedans, je vais en trouver, c'est sûr. Ouais, voilà, j'en étais certain. Ah, seringue, parfait. Ok, il me faut encore deux box comme celle-là. Il n'y a plus rien. Dammit. Ah non! Ah, j'étais déconnecté Steam? Ouais, j'en ai rien à foutre. Oh, j'allais dire, mec, tu peux pas. Tu peux, si, tu peux jouer hors ligne, qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Alors quoi? Oh, si j'ai juste été déconnecté de Steam, j'en ai rien à cirer. Ça va, y a pas mort d'homme, tout va bien. Poubelle. Bien, qu'est-ce qu'on fait maintenant du coup? Parce que je n'ai pas d'autres pharmacies en tête, les amis. Et il me manque deux seringues au total. Donc, ce que je propose, c'est qu'on retourne à l'autre. Voir si on peut peut-être éventuellement. Pardon, excusez. Éventuellement trouver quelque chose. Ou alors on passe rapidement dans les maisons juste pour voir s'il n'y a pas des trucs de médecins, enfin de sorte de trousse de secours là, de voilà. Tu vois ce que je, tu vois de quoi je veux parler quoi. Ah, bah parfait. Déjà une. Ah, nice. Seringue, il m'en manque une. Allez, il m'en manque une. On est fort à saut. Merci, parfait. T'es un génie. Fantastique. Merci, au revoir. On s'appelle, on s'est fait une bouffe, tout ça. Hop, retour à la base rapidement. Et on aura torché la quête, magnifique. Combien de minutes de vidéo? 40, ça vous fait pas chier un épisode de 50 minutes? Ça tombe très bien, je vais continuer. Ouais, mais c'est mon dernier épisode ce soir. Ouais, j'en peux plus, j'ai boulot toute la journée, c'est bon. Je suis claqué. Mais Dying Light quoi. Il est bon ce jeu, il est très bon ce jeu. Ah ça y est, j'ai trouvé l'autre défi. Bon, on va peut-être faire le défi finalement. Je pensais partir sur la quête principale. Peut-être pas en fait. Salut. Tiens, j'ai tout ce qu'il te faut. Des bandages. Génial. Oui. Les gens adorent les bandages. Ceux qui en ont besoin en tout cas. Les autres s'en fichent un peu. Mais le type qui vit en face de chez moi vient de se tirer dans le pouce et il va être très content d'avoir un bandage. T'aurais pas vu des pouces qui traînent dans le coin? Quand il a tiré, son pouce est passé par la fenêtre. Ça ressemblerait à un nugget avec un trou. Non, ça te dit rien? Écoute, si jamais tu tombes dessus... Moi, je vous dis, les amis, ces gens sont complètement barrés dans ce jeu. Non, mais vraiment, ils sont complètement cinglés. Ils ont tous pété un câble. Sérieusement, ils ont tous pété un boulon. Ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Peu importe. Nous avons une protection qui est juste là. Nous avons également une protection qui est juste là. Et nous avons... Le challenge à psycho qui est juste là.
Challenge à Psycho, je vous rappelle qu'il faut découper les zombards en deux avec une hache à deux mains. Qui est juste complètement pas faisable. Mais voilà. Alors je suis pas tout à fait chaud pour celui-là, vous comprenez? Vous voyez ce que je veux dire? Mais salut! Qu'est-ce que tu fais là? Je déterre des vers pour aller à la pêche. À ton avis? J'ai bien des idées. Non, je vais aller pêcher. Je m'appelle Omar Bose. Si tu m'escortes à mon... Omar Bose? Bah t'en as fumé des Bose, mon pote. Hein, et attends, laisse-moi voir, t'es clair ou t'es pas clair? Foutre, mais qui te plaira? Ouais. T'en penses quoi? Bah je pense que j'ai pas le choix si je veux gagner un peu de fric, un peu d'XP. Donc il faut juste que j'aille chercher mon matériel. D'abord, c'est il faut ma canne. Ok. C'est une Tobunga Mark 12. Combien je l'ai payé à ton avis? Je m'en tape. Eh non, $275. Alors qu'elle vaut en fait $649. Elle était d'occasion, mais c'est un bon prix. My freak, ils sont tous cinglés, je te le dis. Ils sont tous fous, ils sont tous complètement ouf. Bien. Allons chercher ta canne, du coup, ben écoute, fais-toi plaisir. Hein. Fais-toi plaisir. Hein. Ah, attends, hold on. Il y a un vendeur juste là. Faut que j'aille faire quelque chose. Salut. Non. Hop, oh, ouais, ouais. Peu importe. Je vais te faire un bon prix. Oui, on est au courant. Merci. On peut vendre des trucs? Ah ouais, on a un fusil en plus là. Ciao. Le flingue, c'est vrai que je l'avais déposé. C'est tout bon, blablabla, c'est tout bon. Voyons voir, qu'est-ce que tu vends? 540 de dégâts? Ouais, ouais. Oh putain. Oh putain, ouais. Képèche égyptien supérieur à 783 de dégâts. Plus 3 améliorations. Ridicule, c'est n'importe quoi. Du matos de qualité. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Enfin, t'as pas que du matos de qualité, mais t'as un peu de matos sympa, j'avoue. Il est passé où, nouveau lot, là? T'es où, amigo? Ah, oh, t'es là. Hola! What the freak? Ah, il est en bas? Sérieusement? Seriously? T'es où, mec? Ah, t'es donc. Nous y voilà. Il a fallu que je la mette au clou. T'es caché derrière le bureau, le mec, je l'ai même pas vu. À l'effondrement de la police, je peux la récupérer sans rien payer. Si c'est pas un sacré coup de cul. Merci, Thomas. Pour okay. Ton plastique. Il me faut ma canne. Tu pêches? Non. Si on pouvait se manier le train, et s'il ça te plaît. Aussi. C'est hein? Une C-Beam Flex Master 2 en fibre de carbone. T'as rien combien dit. Je l'ai payé? Je sais que tu veux savoir. Je l'ai vendu à mon pote Rachan, mais c'est devenu un monstre depuis. Il en a plus besoin maintenant. On dirait que cette épidémie t'arrange, Omar. Je suis un gars pratique, comme un poisson dans l'eau. Tout n'est pas tout noir, à part les moustiques. Complètement craqué dans ton froc. C'est pas grave, c'est pas... Écoute, on t'en veut pas, Omar, tu es un peu cinglé dans ta tête, mais ça va. Lui, il transportait des pneus en masse. Allez savoir pourquoi. Ne nous posons pas la question. Oh, oh. Ça, c'était une balayette, tu vois. Normalement, je t'ai pris la jambe et tu es... Dans l'eau, il ferait pas le poids. Sur Terre, il est très, très dangereux. T'es où? Ah, t'es là. Bien. Attends. T'es... Merci. Ouais, ouais, Omar est super content. Allez, on peut y aller, là? Waouh. C'était laborieux, dis-moi, ce saut. T'es sûr de pas t'être cassé une jambe, là, hein? Oh, parce que... T'étais concentré, quand même. Ah, ouais, en effet, il est assez gros, ouais. Il est assez gros, je dois t'avouer. Aïe! Il y en a partout! Bah là, il y en a un pour l'instant, donc tu vas te calmer. Oh! Oh là là! Je t'ai tué quand même. Merde, je suis tombé? Sérieusement? Seriously? Monte! Ok! On y va? Oh, cette zone! Je suis fan de cette zone.
Un jour faudra que j'y retourne avec des je ne sais pas, avec des bombes, j'en sais rien. Un truc funky quoi. On est où? Rappelle-moi. Ah oui, c'est vrai. Réparer? Ah ouais, faut réparer. Bah réparons. Ah attends, il y a un autre truc que je veux voir. Ah bah c'est parfait que t'ailles là-dedans mec, parce que je voulais absolument voir s'il y avait un flingue encore par terre. Souvenez-vous, c'est le premier flingue qu'on a trouvé qui était là-dedans. Salut Rachan, viens chercher ma canne. J'espère qu'elle a rien. Non, le flingue n'est plus là. Complètement cinglé mon pote. 300 appâts différents et ils ont chacun leur histoire. Tu veux que je te raconte? Non. Dommage. Non. Bon, pas le temps, ah, t'es connu. Non, il a écrit son nom dessus, ce con. Je vais le buter. Mec. C'est bon là. J'ai tout ce qu'il me faut. Il est mort, ton pote. Et il s'est pris une sacrée balle dans le crâne. Les poissons me réclament. Et pendant ce temps-là. Ah. Regarde-le. Non, mais regarde-le. Approche. Approche, ça va te faire plus drôle. Bien, je peux récupérer ma lame. Merci, t'es mignon. Hein. Allez, salut. Headshot avec moi, ma petite lame très sympa. Et encore une réparation gratuite, accessoirement. C'est top la classe. Ouais, t'inquiète, on y va, c'est tout droit, mec. Faut pas s'arrêter là. Bien, on peut y aller? Continue à te battre sans moi. Non, mais y a plus personne sur le terrain. Accessoirement. Je dis ça, je dis rien. Tu fais ce que tu veux, encore une fois. Ça a été une grande expérience pour toi. Pas vraiment. Tu m'étonnes. Plan DTC ? Quoi ? Plan dans ton cul. Oui, DTC, c'est bien ça. Heureusement que ce petit bijou a une garde bien isolée. Puissance d'impact 2, couteau long, couteau court. Intéressant. DTC. Mais j'ai vu ça chez le traiteur sur gage et je me suis dit que ça te plairait plus. Si tu préfères du poisson, il va falloir que tu attendes un peu. Ça va. Je prends ça. Au revoir. Et que le poisson soit avec toi. Toujours. En anglais. May the fish be with you. Always. C'était dans quoi ça? Alors pas, je parle pas du poisson hein, bien sûr, mais et que la force soit avec toi, toujours. Ouais, bien sûr, c'est ça. The force will be with you. Always. Ah, t'es on fire, mec. Blague de merde. Alors. Toi. On en est où? Ouais, on en est là. Bah, malheureusement, les amis, ce sera pas pour cet épisode, la quête principale. Je suis navré. Oui, encore une fois. Je fais des trucs annexes. Vous me connaissez maintenant à force. Bien entendu. L'autre, il a défoncé la porte juste en dessous. Hop. Allez. Nice. Non, merde, le trou il est là. Autant pour moi. Ok, voyons voir, on en est où? 171 HP, tout va bien. Ouais, c'est une petite. C'est devenu un peu une promenade de santé quand même ce jeu, c'est assez rigolo. On s'éclate bien. La nuit nous fait plus peur, enfin, ouais, c'est intéressant. Aïe, ok. Tu souffres? C'est bien. Yeah! Hey, ciao. Merci. Bonne journée. Non! Oh, damn it! M'en fous. Voilà. Ah. Bam, ciao. Allez, on y va. C'est le flip total. Est-ce qu'il y a des monstres qui me suivent? Non, absolument pas. Qui me suivent même, en plus. Pour faire du bon français. Et de toute façon, à cette heure-ci, je ne suis plus bon en rien. Ok, voyez-vous? Je suis fatigué. Je sais pas trop ce qu'il m'a fait. C'était intéressant. Alors j'espère que l'autre qu'on va protéger cette fois-ci est un peu moins débile que les deux à qui on a discuté juste à l'instant. Salut. Ciao. Ok. Aïe. Yes, aïe. Perfect, toi, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Bien bonjour. Pioche antique, 2200 balles la vente. Bien.
Ça roule ? Merci. Qu'est-ce que tu veux, toi ? Mon Dieu ! Voilà. Ah ! Ciao ! Oh ! Et la NASA vous remercie pour ce superbe décollage. Oh, y'a quoi d'autre là-dedans ? Un petit peu de ça. Ah, ça fait vraiment chier qu'il n'y ait plus les... qu'il y ait plus les parachutages. Mec, va falloir que tu viennes par contre, parce que je pense pas que je puisse venir jusqu'à toi aussi easy peasy, voyez-vous? Non, on dirait pas. Je suis pas un méchant, ok? Tu portes pas le bon uniforme, mon gars. Je m'appelle Ahmet. Il y a 2 mois, j'ai fait une connerie. J'ai rejoint Rice. Ouais. C'était débile, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Pas rien. Genre te planquer? Par exemple? Ouais, mais on fait comment pour discuter avec... Non, avec toi. Par là? Hey! Ouais! Ouais! Seriously? Ouvre la porte! Ouvre cette porte, petite merde! Non, allez, ah bah ouais, en fait, oui. Sinon, il y a cette porte là. Ok, je vais t'y conduire. Tu sais qu'en entrant dans la bande de Rice, ils te font bouffer des yeux humains? T'es vrai? Et t'as pas trouvé ça plutôt bizarre? J'étais. Surpris, mais je voulais entrer. Tu vois? C'est dégueulasse. Non, vraiment, c'est dégueulasse. J'insiste. Bon. C'est par où qu'on va? Oh putain, il y a l'épisode qui va nous faire 1 heure. J'y crois pas, je suis désolé. 2 épisodes ce soir et 1 heure par épisode. C'est n'importe quoi. Chopez-les! Ouais, je m'en occupe. C'est fait, on peut y aller? Moi, je ne fais que passer. Tiens donc! À qui? Tu parles à moi là? T'es sérieux? J'espère que t'es pas sérieux, mon pote. Allez, connard! T'es vivant encore. C'est vrai ça. Bon. Non, non. Non, non, tu vas pas. Non, 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 non. Je sais pas où tu veux aller, toi. Mais je sens que tu vas encore crever. Et c'est pas un bon plan, ton histoire là. Merci. Attends, j'ai tout pris. Allez, à plus, hein, faut que j'aille. Y'a un bonhomme qui m'attend. Ok, c'est bon. Excuse-moi, il y avait juste. Enfin, voilà. Ils ont déjà tout récupéré. Et y'en a une qui connaissent pas. Allons-y. Bah, déjà, y'a ça qui connaissent pas. Visiblement. Non, je l'avais. Non! Attends-moi, mec-ton. J'arrive tout de suite, hein. Je suis juste busy avec un truc. J'en ai pour 1 seconde. Y'a un zombard derrière toi! Y'a un. Putain, pour du caf! Y'a un zombard derrière toi. Y'a plusieurs zombards sur ta gueule en fait. Ouais, c'est pour ça que tu devais m'attendre! Voilà! C'est pas possible ça! Va faire ton héros toi avec ta petite piochette de merde là, une piolet à la con là. Hein? Oh merde, y'a encore des touristes ici? Oh, attends. Oh, y'en a un qui est armé! Trois balles, 3 morts. Propre. Sans bavure. Y a-t-il quelqu'un d'autre ici? Ah, y a quelqu'un. Donc on disait 4 balles, 4 morts, c'est ça, tout à fait. Absolument, vous avez raison. Oh putain, il le tire mais ça. Regarde-le, il va se faire tuer encore. Merde, Steam. Regarde-le, il va se faire tuer. Eh les gars. Attends-moi, je suis... Merde. Oh, sérieusement? Non, sans blague, attends-moi maintenant. C'est parce que tu vas te faire. Tu vas te faire tuer. Ça marche. Regarde-le, il va se barrer. Putain. Il y a un sombre juste là. Mec, tu vas crever. Non! Tu continues pas. Tu t'arrêtes. Tu attends. C'est un ordre. Amenez-vous les deux là. Allez, vite. On se dépêche. Bon. Qu'est-ce que j'ai pas récupéré là? Parce qu'il y a plein de trucs dans ce bordel là. Moi j'ai. Alors ouais, on est pas là pour le. On est aussi un peu pour le loot, non? Bordel. Attends, le gars il se casse et il ouvre même pas les coffres. Ouais, il va prendre à crocheter aussi, attends, en même temps. Il perd pas de vie? Non, il perd pas de vie. Ça va. Hop. Dis-moi, t'avais un truc sur toi là? T'avais rien sur toi? T'es à poil? Ah bah putain, tu sers à rien. Ah oh. OS.
Magnifique, magnifique. 55 minutes de vidéo. On est bien, on est bien. Pour une bourse, ouais, bon. Toujours ça de gagner. Remarquez. Quoi? Il va mourir. Il va mourir, ce gros con. Il est mort. Bravo. Et on peut recommencer. Je me fatigue. Je me fatigue. Vraiment. Pourquoi tu cours si tu sais pas te défendre? Hein? Franchement. Ça sert à rien, ce mec là. Possible ça. Pas possible ça. Ouais, j'ai. Bon bah, il va encore durer un peu plus longtemps l'épisode. Oui, parce que je vais le rechercher, je compte bien finir, absolument. Tout à fait. Parfaitement. On est d'accord. Monte. Voilà, salut. Tire pas, tire pas. Je suis pas un méchant, ok? J'ai une épée dans le bon uniforme, mon gars. Je sais. Hein? Je m'appelle Ahmet. Il y a deux mois, j'ai fait une connerie. J'ai rejoint Rice. Hein, t'as peur? C'était débile, mais qu'est-ce que je pouvais faire? Il récupérait toute l'antizine. Je me suis dit que c'était malin. Et là, t'as changé d'avis? Est-ce que tu les connais? C'est des malades. Ils découpent des gens pour s'amuser. Je suis pas comme eux. Je me suis barré. Seulement, Rice aime pas que des gens partent. Ces gars me tirent dessus. Je veux rejoindre Brecken. Mais ils me tirent aussi dessus. Tu veux que je t'aide à entrer dans la tour? J'ai rien pour te payer, mais je connais quelques planques où les gars de Rice se ravitaillent. On peut y passer en chemin. Ouais, okay, je vais t'y conduire. Tu sais qu'en entrant dans la bande de Rice, ils te font bouffer des yeux humains. T'es vrai? Bon, au moins le mec. J'étais surpris, mais je voulais entrer. Va. Tu vois? Ni. Va. Bien. Au moins le mec, il est un peu moins débile que les autres. Remarquez, c'est un point positif. C'est un point positif. Bon, après, y a que ça hein, pour lui. Mais disons, bon, voilà. Est-ce que du coup, les planques seront à nouveau pleines? Allez savoir. Pas la moindre idée. Je pense pas hein, quand même, faut pas déconner. Tiens, salut, ça va? Parfait, allons-y. Parapapa, 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 parapapa. Champignon plus récent. Tu dois m'amener à la tour. Pas oublié. Oh, oh, oh. Alors déjà, tu parles sur un autre ton, première chose, hein. Et si tu veux que je t'amène à la tour, tu te détends. Et tout de suite. T'as le gars, je te jure. Arrête, ils sont nouveaux là, ça là. Trop bon. Ouais, j'ai vu ça, ouais. Mais ce qu'il y a de bien, c'est que ce piège, en fait, il te ramène énormément de fric. Tu vois ce que je veux dire? Parce que... Non, 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 ne compte. C'est plein là-dedans, non? Non, c'est pas plein. Mec, t'es pas sérieux. Non, non, c'est moi qui te bute. Et je fais de toi ma... je vais pas dire quoi. Ouais, tu m'auras presque. À l'attaque de quoi? Mec, il est mort! Je lui ai coupé la tête! Les affaires reprennent. Non. Ouais, cette intelligence sans nom, mon pote, c'est assez incroyable. Bref. Allez, on va lâcher ça. On va prendre le flingue. Et accessoirement. Je vais te faire la peau! À qui? Il est où? Ah, il est là? Amène-toi, ouais. Il est sur ma tête? Non, il est pas sur ma tête. Bon. Inventaire plein. Ouais, certes, c'est un inventaire plein, mais disons. Oh oh oh, attends, y a de la merde là. Fusil militaire? Ah non, pardon, c'est pas. Oui, non, erreur. Marteau simple. Ciao. Avec ceci, ce sera tout, merci, on y va. Ouais, cette fois-ci, on va essayer de le garder en vie quand même, le cucu là, parce que. Allons-y. Allez, allez, on se dépêche, on se dépêche. On fonce, on fonce, on fonce. Allez, c'est tout droit. Oui, on y va, on y va, on y va. Si, j'espère que l'autre derrière moi il arrive là parce que. Attends, pas l'attendre dans le coin. Wouah. N'importe quoi. Oh, salut. Ça va? Hold on.
Une seconde, parce que non, j'ai vraiment pas le temps là. J'ai vraiment pas le temps. Alors, t'es mignon. Ça sent vraiment bon. Je trouve que ça va. Bon. Bien. Ouais, tu feras attention, il y a un peu de flamme juste là. Hein, t'es mignon. Oui, bah, il crame quand même. T'as raison. En même temps, il a pas de dégâts. C'est bien. Il brûle, mais il va bien. Il le vit bien, tant mieux, tant mieux, tant mieux. C'est une très bonne chose. Il m'a fait flipper ce con. Ah, on va se calmer. Ouais, très bien. Fais gaffe à sa gère. Ouais, c'est toi qui t'es prise par contre, sa gère. Tu feras attention. Tout seul ? Non, mais on est deux. Enfin, non, je suis seul. Oh, tu l'as eu ? Waouh ! T'es un vrai petit fou. C'est moi qui l'ai esquivé ce coup. Incroyable. C'est très fort, c'est très fort. C'est trop trop fort. Tiens, salut, ça va? Crane. Oui. Tu t'occupes de Rice, pas vrai? Tu es un des volontaires. Tout à fait. Je peux faire quelque chose pour toi? Je crois que je peux t'éclairer sur la situation. Ça pourrait te servir. Ou pas. Ok, je t'écoute. Ce n'est pas une info de première main, disons plutôt que c'est une rumeur. Mais ça concerne son frère. Hassan. Je sais pour Hassan. Il est mort, non? Et Rice accuse le GRE. Et il a raison. Hassan était cloué sur un fauteuil roulant. Et c'était la seule personne dont Rice se souciait. Hassan calmait les ardeurs de son frère. Quand Rice voulait partir en guerre, Hassan le poussait à chercher la paix. Et quand l'épidémie est survenue, Rice a demandé au GRE d'évacuer Hassan en premier lieu. Et ils l'ont pas fait. Il y a eu un conflit politique interne. À cause du ministère, le GRE traînait des pieds. Et Hassan est mort lors d'une attaque de zombies. Le GRE aurait pu le mettre à l'abri tout de suite. Ils ont choisi de ne pas le faire. Alors maintenant, Rice a perdu son sens moral. Il est libre d'imposer son caractère sadique et lunatique à toute la population d'Aran. Donc Rice a une dent contre le GRE. Et tu dis que c'est justifié? Je ne l'excuse pas. C'est un bandit vicieux. Un fléau pour cette ville. Je voulais juste t'aider à comprendre l'ennemi que tu vas affronter. Compris. Merci. Ok. Très utile. Très constructif, monsieur. Bon. J'y serais pas arrivé sans ton aide. Je te conseille de changer rapidement de fringue. Ce sera mon premier achat. Voilà ta part. Et la prochaine fois que tu dois manger des yeux pour entrer dans un club, change de club. Bonne idée. Agreed, mec. Ok. Bon, eh bien les amis, on va s'arrêter là, hein, parce qu'il y a un moment, faut pas déconner. Ah, on va juste passer chez le vendeur par contre. Ah bon, ah ouais, parce que tant qu'à faire, on est plus à ça près. T'as, salut, t'as un... Non. J'ai vu l'immeuble s'effondrer. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a un casque de vélo sur la tête, lui? C'est ça. Pourquoi pas? C'est comme si ça allait te protéger des balles. Viens par là, toi, je te ferai mon prix. Oui, on est au courant. Alors, déjà, on va se faire le plein de tout ça. Hop, hop, hop. Mission de fusil, ouais, non, tout ça c'est bon, pétard, blablabla. Non, faux, hold on, vendre. Alors, 2230, exactement, bam, 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 bam. Voilà, parfait. Et nous avons 242 000 de thunes. C'est génial, très bien. Donc je pense que si on veut s'acheter quelque chose, maintenant c'est plus vraiment un problème. Doudou. Non, je suis de l'autre côté par contre, voilà. Et c'est très très bien. Je vais arrêter mon épisode ici les amis, j'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, c'était extrêmement long. J'espère que vous avez réussi à survivre à ce calvaire. Voilà. Et je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao tout le monde. Mon dieu, c'est énorme. Merde, j'oublie à chaque fois le TP. J'oublie à chaque fois le TP.